Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la chaîne Des Mailles et moi. Aujourd'hui, nous sommes l'épisode 35. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc si jamais vous êtes nouvelle ou nouveaux arrivants sur cette chaîne, moi c'est Christelle. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui anime cette chaîne et qui revient semaine après semaine vous partager des histoires de tricot, de fil, de laine, parfois un petit peu de crochet ou en tout cas beaucoup de choses autour de l'art du fil. Alors aujourd'hui, on est dans un épisode de podcast traditionnel, donc on va voir ensemble des projets terminés, des projets en cours, de la laine, des acquisitions, des petites choses que je voulais partager avec vous. Mais voilà, on sera dans un format de vidéo habituel, ou du moins pour ceux qui aiment les podcasts. C'est pas la seule chose que vous trouvez sur ma chaîne, vous trouvez également des vidéos de vlogs, des vidéos de reportages ou de documentation sur la technique ou sur l'art du fil de manière générale. Parfois je vous emmène dans les salons, mais ça dépend des opportunités et donc de mes envies de film. Alors où est-ce que vous pouvez me trouver? Donc vous pouvez forcément me retrouver sur YouTube, mais ça je crois que vous l'avez déjà fait puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Des Mailles et moi en un seul morceau, et comme d'habitude je vous l'inscris en bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Alors on parle de projets terminés et j'en ai deux à vous montrer, dont un qui est très très vieux qui m'a donné pas mal de fil à retordre, ou du moins pas de fil à retordre. Je dirais qu'il m'a un petit peu cassé les pieds parce que je m'étais trompée et il a fallu que je refasse une certaine partie, mais je vous en parlerai quand je vous présenterai ce projet. Je vais aussi parler d'un certain nombre de mes encours. Et alors, je me suis dit qu'il allait falloir que je me mette une petite règle, c'est de revenir à chaque fois que j'ai un podcast, vous dire combien j'ai d'encours, parce que vous le savez si vous êtes là depuis longtemps, ou je vais vous l'apprendre si vous arrivez aujourd'hui, mais je suis quand même dans une démarche de réduction du nombre d'encours, parce que j'aime avoir beaucoup d'encours, mais j'aime aussi voir mes projets avancer. Donc aujourd'hui, sur mes aiguilles en projet non terminé, j'ai 11 encours, dont un qui ne se terminera qu'en fin d'année puisqu'il s'agit d'une couverture et donc je la réalise tout au long de l'année, donc celle-ci je la compte pas. Sur les 10 autres, enfin si, je la compte mais elle restera active de toute façon. Sur les 10 autres projets, j'ai deux projets au crochet dont un dont je vais vous parler aujourd'hui, et 8 projets au tricot dont deux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors forcément je ne parle pas de tous les 11 en cours à chaque fois que je vous fais un podcast, sinon ce serait très répétitif et très laborieux pour vous, mais j'aime revenir en fonction de mes avancées, et là j'ai fait quelques avancées significatives sur certains projets, et bien forcément, comme je suis une atteinte de la castonite aiguë, j'ai monté des nouveaux projets, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Alors avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'une petite réception laineuse que j'ai reçue de la part de Une Louve dans les Bois, enfin, que j'avais acheté chez Une Louve dans les Bois. Il s'agit de son Club Monet. Alors si jamais vous n'avez pas encore reçu, ce que je ne pense pas, puisque j'ai attendu, c'est un écheveau que j'ai reçu en tout début de mois, et je me suis dit que j'allais laisser passer une ou deux semaines, le temps que vous ayez toutes réceptionné vos écheveaux, et de façon à ce que je ne vous spoile surtout pas si vous l'attendez. Donc le Club Monet, c'est quoi? C'est un club de laine organisé par Une Louve dans les Bois, sur lequel vous pouvez commander un trimestre, soit avec un écheveau, soit avec deux écheveaux, sur la base que vous choisissez. Le thème est sur les tableaux de Monet, c'est pour ça que ça s'appelle Club Monet. Et donc moi, j'avais déjà choisi de m'abonner lors du dernier trimestre, sur d'ailleurs l'influence de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, mais j'ai renouvelé l'expérience parce que j'étais vraiment très agréablement surprise alors pas surprise, mais très agréablement, très c'était très plaisant de recevoir ces échevaux et ils m'ont beaucoup plu. Donc j'ai renouvelé l'expérience. Par contre cette fois-ci je n'ai pas pris l'abonnement avec un écheveau, j'ai pris l'abonnement avec deux échevaux, toujours dans une base à chaussettes puisque j'ai choisi de prendre son abonnement en Louve Twist Socks qui est une base 80% mérino, 20% de nylon. Pourquoi? Alors je voulais me donner la possibilité de les intégrer dans des châles ou dans des objets, dans des projets un petit peu plus gros que des chaussettes parce que j'ai énormément de laine à chaussettes et d'ailleurs je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur ma revue de stache que je vais, je sais pas si je la mets en un seul morceau ou en deux tellement il y a de choses à vous montrer. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi deux échevaux, voilà, pour pouvoir faire des projets un peu plus importants. Donc, sur le mois de janvier, le thème de ce Club Monet, c'était le tableau qui s'appelle Le Givre et qui était dans des tons, en tout cas le mood board, que je vous le mets bien sûr ici. Donc, vous voyez, on est sur du gris clair, sur du taupe, du bleu froid, plus clair et plus foncé. Alors je m'attendais effectivement à avoir ces couleurs-là. Et je vous montre, donc attention, si vous ne l'avez pas reçu, que vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas, sinon regardez-moi cette beauté. Donc, on retrouve, hop là, que je vous le mette bien net, c'est mieux. On retrouve les coloris, donc de taupe, que vous voyez peut-être un tout petit peu plus contrasté à l'écran, hein. Vous retrouvez du bleu plus clair, plus foncé. Alors très honnêtement je m'attendais quand même à avoir un bleu un peu moins électrique que celui-ci. Alors il ressort vraiment très électrique à l'écran. En vrai il est un tout petit peu moins marqué, mais je m'attendais à un bleu un tout petit peu plus froid, un tout petit peu plus fondu. Mais voilà, j'aime beaucoup tous les coloris qui sont dans cet écheveau. On retrouve le travail hein, d'Ingrid avec beaucoup de speckles et beaucoup de nuances dans cet écheveau. Donc il s'agit du coloris Le Givre, c'est le Club Monet de janvier 2023, donc de Une Louve dans les Bois, et donc c'est sa base Louve Twist Sock 80% mérino, 20% nylon. Donc c'est une laine qui est fabriquée, enfin du moins qui est tissée, il me semble, en Italie, mais je ne suis pas certaine, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises. Et donc qui est teinte par Ingrid en France, teinturière indépendante, donc que j'aime beaucoup. Et donc Ingrid, bon bah voilà, hein, donc moi j'ai reçu des échevaux et comme d'habitude, lorsque vous commandez chez Ingrid, en tout cas sur son club, vous recevez vos échevaux dans un pochon d'organza ou de tulle. Je sais pas si c'est de l'organza, ça a l'air d'être plutôt... Bon. Vous les recevez dans des pochons. Ces pochons ils sont bien pratiques parce que ça me permet moi de faire des cadeaux. Lorsque je tricote typiquement des chaussettes ou un ouvrage, je le mets dedans, je le ferme, et je les emballe avec un nœud et ça fait un joli cadeau. Donc voilà, donc laine qui va revenir, qui va aller dans mon stash. Ce que je ne sais pas encore, c'est si je les stocke avec mes laines de grands ouvrages ou si je les mets dans le cadre de mes laines à chaussettes. Mais vous verrez, quand je vous montrerai la vidéo sur mon stash, j'ai une organisation qui me permet d'éviter de mélanger les types de laine pour pouvoir bien choisir mes ouvrages et éviter d'avoir sur des chaussettes des laines qui ne sont pas faites pour les chaussettes. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir et puis je vous dirai ça. Donc voilà pour l'acquisition de la semaine. Alors j'ai pas l'intention d'avoir des acquisitions toute cette semaine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de podcasteuses qui faisaient des... ou youtubeuses, enfin je sais pas comment vous les appelez. Il y a pas mal de filles qui font des vidéos et qui rentrent dans une démarche de réduction de stash ou de stock de laine ou d'élimination de laine ou dans une année où elles n'achètent pas de laine. Alors moi c'est quelque chose que je ne vais pas faire, tout simplement parce que je sais très bien que je suis incapable de tenir ce genre d'engagement. Parce que j'aime trop la laine et j'aime trop me laisser porter par mes envies et mes coups de cœur surtout. La deuxième chose, c'est que en regardant mon stock, je me suis rendu compte que j'avais approximativement un peu plus d'un an de stock de laine devant moi et je suis plutôt dans une démarche de je renouvelle mon stock plutôt que de le réduire. Alors je trouve que le stock que j'ai actuellement, alors, il est un petit peu important, mais il me permet d'avoir suffisamment de choix pour agrémenter mes envies du moment et avoir le plaisir d'aller plonger dans ce stock. Mais bon, on en reparlera. En tout cas, voilà, c'est pas une démarche que je vais faire. Je vais pas réduire mon stock de laine, ou peut-être que je le réduirai, mais ça ce sera vraiment opportun, ou tout simplement parce que j'aurais pas fait rentrer suffisamment de laine pour le renouveler. Mais voilà, renouveler, ce que j'aime pas trop, c'est quand ma laine elle reste trop longtemps dans mon stock. J'aime pouvoir la passer dans les 1 à 2 ans qui suivent l'acquisition. Alors bien souvent, elles sont achetées et tricotées directement derrière, sauf quand il y a des clubs où là j'ai besoin d'un temps de réflexion pour savoir ce que je vais en faire. Donc voilà, pour cette petite introduction, comme d'habitude, c'était un petit peu long, je suis un petit peu bavarde, mais vous avez l'habitude, si vous êtes là depuis longtemps, je papote, mais je papote toujours tricot, puisque c'est la raison d'être de cette chaîne. Donc sans plus attendre, je vous emmène dans mes projets terminés et on va démarrer par une grosse pièce. Alors le premier projet dont je vous parle cette semaine, c'est un pull. C'est un pull que j'ai réalisé, que j'ai démarré en juillet et que je termine seulement maintenant, mais il y a une raison pour cela. Mais d'abord je vous parle de la laine. La laine que j'ai choisie, c'est une laine de chez L'écheveau solidaire dans sa base Equinox. Dans le coloris Le soleil revient toujours. Donc la base Equinox, c'est une base soie et yak. C'est un vrai délice de douceur. 50% de yak pour avoir bien chaud, 50% de soie pour avoir la luminosité de la couleur et le drapé. Donc c'est vraiment une base que je vous recommande, que ce soit chez Les Chevaux Solidaires ou quelque part ailleurs, hein. Il y en a d'autres qui font des yaks et soie. C'est une fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et la couleur Le Soleil revient toujours est de cette couleur-là. Donc c'est un bleu marine, mais qui reste lumineux, que j'aime beaucoup. Vous voyez la brillance de la soie dont je vous parlais. Et alors le fait qu'il y ait du yak dans cette laine contrebalance la légèreté de la soie, ce qui fait que ça en fait un pull très chaud. Et donc, et l'étiquette est là-bas, j'y ai associé une deuxième laine, un mohair, de chez Langa, qui est un mohair qui s'appelle Luxe, qui est un tout petit peu plus épais que les mohairs habituels, puisqu'il fait 175 mètres pour 25 grammes, là où d'habitude on est plutôt sur du 200 mètres ou 210 mètres pour 25 grammes. Donc je vous montre et après je vous dis. Voilà la bête, et je vais reculer pour que vous puissiez, parce que j'ai pris une chaise à roulette pour pouvoir vraiment vous montrer à la bonne taille ces ouvrages. Donc voilà ce pull, et je vais vous montrer les petits détails. Donc là on est sur du pull bien chaud. Alors voyez le rendu de ce mohair, et alors ce pull il a plein de petites particularités. Vous voyez alors mes petits ronds de cèdre. Vous avez l'habitude, il y en a partout sur mes cintres. Parfois, ils font un peu de bruit, donc j'en suis désolée. Donc, ce pull-là, c'est un pull qui s'appelle Margot. Margot de la designeuse Cécile qui tricote. C'est un pull que j'ai réalisé dans le cadre d'un test. Et alors, il a une histoire. Ce pull-là, si vous vous souvenez bien, cet été, donc moi je l'ai commencé au 1er juillet, et cet été on s'est retrouvé avec une canicule absolument abominable, des 40 degrés, et donc tricoter du yak plus du mohair en même temps, c'était sportif. Par 40 degrés, là pour le coup c'était vraiment du sport. Donc ce test il avait bien évidemment un deadline, une date de fin, donc j'ai tricoté de façon à être à l'heure pour la designeuse. J'étais toute contente, j'avais terminé mon pull, mais je me suis rendu compte, une fois le pull terminé, parce que lorsque je l'ai essayé, je trouvais que les manches étaient trop larges. Et là, c'est totalement erreur de ma part, j'avais tricoté les manches de taille trop grande, alors pas au niveau de la partie au-dessus mais de la partie en dessous, ce qui fait que la manche pendouillait un petit peu parce que j'avais relevé bien trop de mailles en dessous. Et bien sûr, j'avais fait la même erreur sur la deuxième manche. Donc, une fois le pull terminé, et c'est la raison pour laquelle vous ne le voyez que maintenant, il a fallu détricoter les deux manches qui avaient été tricotées avec deux laines. Donc pour celles et ceux qui ont déjà détricoté du mohair et de la fingering, vous savez à quel point c'est long de détricoter et de séparer bien gentiment vos deux fils. Donc c'était pas forcément une partie de plaisir. Une fois que les deux manches étaient détricotées, les retricoter, ça a été assez rapide. Mais vraiment voilà, j'ai beaucoup procrastiné sur le fait de détricoter ces deux manches. Ma faute, quand on est blonde, enfin là pour le coup j'ai fait ma blonde jusqu'au bout. Alors bon, maintenant que vous savez mes aventures, je vous parle du pull. Alors il n'est pas encore rebloqué complètement, il va falloir que je le bloque pour que tout se mette bien en place. Donc ce pull là, je vais enlever ça parce que ça fait du bruit et ça va vous gêner. Donc ce pull, il se tricote du haut vers le bas, il a une construction en raglan, voilà, que vous voyez ici. Vous avez un col avec une petite finition en picot, qui est très très délicate. Vous retrouvez d'ailleurs cette même finition sur le bout des manches. Donc c'est une finition qui est super sympathique à faire, qui se tricote uniquement avec un seul fil au niveau des poignets et au niveau du col. Les finitions en picot, c'est une finition qui est cousue après à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous donner plus de détails hein, parce que c'est un patron payant. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais. Donc moi j'ai testé la version anglaise qui était très bien écrite. Cécile, elle a un style d'écriture qui est vraiment intuitif et vous avez énormément de tableaux, d'aides. Elle vous prend par la main pour vous aider à réaliser votre projet. Donc la particularité de ce pull, c'est cette jolie torsade torse que vous retrouvez sur la partie haute des manches. Voilà, est-ce que vous la verrez bien, j'espère, à l'écran hein, et que vous retrouvez également sur le côté du pull. Donc je sais que certaines testeuses ne l'ont pas fait. Moi j'ai pris le parti de faire le modèle exactement comme il était présenté. Donc voilà, là sur la partie du côté du pull. Hein. Vous finissez avec un certain nombre de centimètres de maille torse. Moi j'ai réduit un tout petit peu ce nombre de centimètres. Il fallait faire 5 cm, je n'en ai fait que 3,5. Je trouvais que c'était plus harmonieux par rapport à la hauteur du col et des poignets. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est des torsades torse, c'est-à-dire que la partie que vous tricotez à l'endroit se tricote en maille torse. C'est assez facile à suivre, c'est très sympa si vous voulez faire des torsades pour la première fois. Donc c'est des torsades quand même qui se font sur 6 mailles, donc qui nécessitent une aiguille auxiliaire, mais par contre ce n'est pas une torsade qui est compliquée à réaliser et c'est toujours la même. Donc par contre c'est la même quand vous êtes sur la droite et une autre, enfin du moins à l'envers, pour que la torsade se fasse dans l'autre sens lorsque vous êtes sur le côté gauche. C'est la seule difficulté de ce modèle. C'est attention à savoir si vous êtes à droite ou à gauche pour savoir dans quel sens il faut réaliser votre torsade. Donc c'est un pull qui tombe très bien. Vous me verrez le porter dès que je l'aurai bloqué. Je le mettrai sur les prochains podcasts pour que vous puissiez voir la façon dont il tombe. C'est vraiment sympathique parce que vous avez un col qui est un petit peu cheminé, léger, hein, puisque vraiment pas très haut, et qui tombe très bien. Et alors... par les températures qu'on a actuellement, c'est quand même une grosse nécessité d'avoir des pulls bien chauds. Là, on est retombé dans des températures extrêmement négatives. La neige est tombée, la glace, le verglas, tout ce que vous voulez. Donc c'est de nouveau des jolis moments pour ressortir les pulls très très chauds. Donc je ne peux que vous recommander ce modèle. Il est sorti il y a maintenant un petit moment, puisqu'il me semble qu'il est sorti pour le knitted. Donc ça devait être tout début octobre, le 1er ou le 2 octobre, oui, puisque je devais rendre ma copie pour le 30 septembre. Donc vous voyez, il m'a fallu octobre, novembre, décembre et tout début janvier pour défaire et refaire mes manches mais parce que je procrastine hein, sur le détricotage. Donc je vous le recommande grandement, c'est vraiment un plaisir. Moi je l'ai tricoté en aiguille de 3,5 pour obtenir l'échantillon. Le patron appelle les aiguilles de 4. Donc du coup ça donne un tissu assez dense, parce que voilà, vous tricotez deux ensemble, deux fils ensemble, y arriver. Je sais qu'il y a certaines testeuses qui n'ont pas mis de mohair et qui ont tricoté les deux fils d'Equinox ou de Yakesoa ensemble, et ça faisait aussi un très très joli rendu. On voyait beaucoup plus les nuances de la soie, mais pourtant si vous regardez, on voit quand même bien la luminosité et les nuances de la laine malgré le mohair. Donc je suis très très contente. Donc le mohair, la couleur que j'ai utilisée, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est la couleur 25. Donc la couleur elle est ici, hein, dans les mohairs de chez Lang. C'est un mohair que j'aime beaucoup, qui est très doux, qui est très dense, et c'est un mohair que je supporte. Alors il y a très très peu de mohair que je supporte, notamment au niveau d'ici, hein, comme vous voyez faire ici, c'est parce que c'est ici que moi ça pique, ailleurs ça pique pas, mais ici, là, sur le décolleté. C'est un mohair, c'est un des... Il y a très peu de mohair que je supporte, mais celui-ci je le supporte, voilà. Généralement les mohairs de teinturière ça passe, ce mohair là ça passe, les autres mohairs commerciaux j'ai un petit peu plus de mal, mais j'ai pas encore fini de tester tous les mohairs, donc... qui sait, je trouverai peut-être mon bonheur ailleurs. Donc voilà, pour ce joli pull Margot de Cécile qui tricote, disponible en français, vous retrouvez le patron sur Ravelry. Cécile, c'est quelqu'un de très gentil, avec qui je papote de temps en temps, un tout petit peu, mais j'aime beaucoup ces modèles. Ils sont toujours très fins, très raffinés, avec des tout petits détails qui font la différence, et vous savez, c'est le genre de choses qui me font craquer moi dans les modèles. Elle a ressorti d'ailleurs d'autres petits projets là qui me font de l'œil, mais il faut que je reste concentrée sur tout ce que j'ai déjà à réaliser. Donc voilà pour le premier projet de cette semaine. Maintenant je vous emmène regarder un autre projet beaucoup plus petit. There's many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. Alors ce deuxième projet, effectivement on est un petit peu à l'opposé en termes de taille. Donc ce deuxième projet, il est dans cette boîte que vous aviez vue juste ici. Pour celles qui ont l'observation, vous retrouvez ma boîte de bas 2023. Ici c'est quelque chose d'autre dont je vous parlerai une autre fois, et donc ce nouveau projet je l'ai mis dans une petite boîte qui a un petit message aussi, hein. Tout un monde de secrets, tout un monde rempli de secrets. Et alors quel est donc ce secret? Donc j'ai oublié de vous rappeler, tout ce dont je vous parle est dans la barre de description, donc si jamais ça n'y est pas, n'oubliez pas, écrivez-moi, c'est que c'est juste un oubli. Donc, tout un monde rempli de secrets. Et alors, quel est donc ce secret? Eh bien, je vous avais parlé il y a quelque temps d'un petit bébé qui allait arriver dans notre famille, pour mon plus grand bonheur, puisque mon mari est parrain de la jeune fille qui va avoir ce bébé, et on a eu la révélation du sexe du bébé, et donc c'est une fille! Alors je suis ravie parce qu'on avait déjà un petit bébé garçon, donc je tricotais pour du garçon, et donc là maintenant on a une petite fille, donc je vais pouvoir me faire plaisir sur la dentelle, sur le rose, sur tout ce que vous voulez, bonheur de bonheur. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, puisque ce sera la boîte qui va contenir mon cadeau de naissance, donc c'est un bébé qui arrivera fin avril, début mai, normalement, et donc je tricote un certain nombre de petites choses. Donc je vous avais parlé, donc je vais ouvrir avec vous cette petite boîte. Regardez-moi la délicatesse de ces petits lapins, je trouve ça trop beau. J'ai choisi les lapins puisque avril-mai, c'est généralement autour de Pâques et tout ça, donc des petits lapins. On ne cherchait pas, on cherche l'inspiration comme on peut. Donc je vous avais parlé de ma volonté de faire un petit peu de layette, et notamment lors c'était en novembre, je vous avais parlé d'un petit semainier de chaussettes. Donc le principe, c'est je vais utiliser des mini ou des restes de laine pour réaliser cette petite paire de chaussettes pour ce nouveau-né, donc pour cette jeune demoiselle qui arrive bientôt, et lui offrir sous forme de semainier que j'accrocherai ensemble, donc cette petite paire. La première paire que j'avais tricotée, c'était celle-ci, que vous aviez déjà vue, qui, je ne me souviens plus exactement le nom du patron, mais vous le retrouvez dans mon Ravelry, et j'en profite pour vous dire que ça y est, ma résolution 2023 est tenue, je mets à jour mes projets sur Ravelry, pas tous les anciens, mais les nouveaux projets, je les mets à jour, je mets les bonnes dates, les laines et tout et tout et tout et tout, et même des photos. Donc ça y est, je tiens le bon bout, je ne sais pas si je vais le faire toute l'année, en tout cas vous pouvez retrouver tout ce dont je vous parle sur mon Ravelry, dont je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc j'avais réalisé l'année dernière cette petite paire de chaussettes, pour taille naissance, alors naissance un mois plutôt, hein, que j'avais réalisé dans un mini que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, non pas dans le calendrier de l'Avent, le calendrier d'Halloween d'une teinturière anglaise. Si vous vous souvenez ou si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que c'est un mini qui malheureusement a été maltraité par mon petit robot ménager et puis par mon chat. Et donc j'ai pas eu le cœur de le laisser de côté, donc je l'avais tricoté avant de savoir quel était le sexe du bébé. Mais finalement vert, ça va pour une fille, ça va pour un garçon. Par contre, maintenant on sait que c'est une fille, alors on se fait plaisir sur les couleurs. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé cette fois-ci? J'ai utilisé un coloris qui est celui-ci. Un très joli reste, qui n'est pas une laine à chaussettes, mais comme un bébé ça marche pas, c'est pas très grave. J'ai utilisé un reste qu'il me restait de chez The Woolly Skin dans son coloris Floride. Floride, très joli modèle de couleur, très jolie couleur, qui est un espèce de pêche nuancée. C'est un reste de laine de mon châle Ligna que j'avais tricoté l'année dernière, que j'aime beaucoup. La laine de chez Volis, de Woolly Skin, est absolument fabuleuse, de douceur. Donc c'est une laine qui est en 100% mérino, donc il n'y a pas de nylon dedans, mais encore une fois, un bébé, ça marche pas, donc il y a très peu de chances qu'il me troue les chaussettes. Il me restait 23 grammes, hop, 23 grammes, et il me reste encore pas mal, tout simplement parce que j'ai fait une paire de petites chaussettes, donc la paire de socket numéro 2, pas socket, chaussette. Et je vous la montre. Donc je vous montre, hein, il y en a deux, mais je vous en montre qu'une. Donc voilà la paire de chaussettes. Donc c'est un patron 100% maison sur lequel j'ai voulu mettre un certain nombre de rangs en côte torse. Donc c'est des chaussettes que j'ai démarrées par le haut, sur lequel ensuite j'ai réalisé un tout petit peu de dentelle sur la tige, un talon en boomerang que je suis en train d'écrire pour vous, puisque vous m'avez demandé, vous avez été extrêmement nombreuses à me dire que le patron vous intéressait, donc il est en cours d'écriture, je vous le publie prochainement. Il ne faut pas que j'oublie de vous passer tout ce genre d'informations. Petit talon en boomerang, ensuite j'ai continué la dentelle sur la partie haute du pied, mais j'ai mis du jersey sur la partie basse et une petite pointe associée. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment vraiment tout petit. Moi ça me permet de tester un certain nombre de petites dentelles que je vais vous mettre sur des futurs patrons. Parce que oui, j'ai pas mal de patrons en préparation pour vous. Donc voilà, une jolie petite paire de chaussettes, la paire de chaussettes numéro 2 qui ira dans le fameux petit semainier. Et donc ce semainier, il ira dans cette jolie boîte. Alors bien sûr, il y aura d'autres choses dans cette boîte, hein. Il y aura, comme j'ai fait pour le premier bébé, certainement un ou deux vêtements, le petit semainier de chaussettes, peut-être un bonnet. Et une petite peluche que je suis en train de faire. Alors bien sûr, je suis en train de faire des plans, mais le bébé arrive en fin avril, début mai. Faut que je me bouge un petit peu. Faut pas trop que je traîne. Donc on verra ce que je peux mettre dans cette boîte. Et si jamais je tricote de trop ou que je crochète de trop, eh ben ça passera dans la grosse boîte ou que je trouverai une autre boîte. Donc voilà pour cette jolie petite paire de sockets. Socket chaussettes, hein. Il n'y a que 10 rangs après les côtes. J'ai fait 8 rangs de côtes et après j'ai fait une répétition de motifs sur 10 rangs. Voilà, donc là on est vraiment sur une taille naissance, donc tout petit. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de tige, il n'y a pas de pied, c'est très rigolo. Voilà, je les ai tricotés avec mes Crazy Trio de chez Adi, parce que en circulaire ça fonctionne pas, il n'y a pas suffisamment de mailles. Là il y a 36 mailles de circonférence, donc du coup je les ai entièrement tricotées avec mes mini circulaires, et vous voyez il n'y a pas d'échelle sur le côté, sur aucun des côtés d'ailleurs, je peux vous montrer partout, il n'y a pas d'échelle du tout. C'est vraiment voilà, des aiguilles que j'aime beaucoup utiliser pour tricoter les petites circonférences. J'aime plus ça que les doubles pointes. Alors les doubles pointes je les utilise aussi, mais pour d'autres projets. Donc voilà, deuxième paire de chaussettes qui va dans mon semainier. Je vous en reparlerai quand j'aurai fait les suivantes. Il me reste 5 à faire sur le semainier, mais voilà pour le deuxième projet. Vous avez vu hein, c'est très différent du premier. Une grosse pièce et un tout petit quelque chose. Donc voilà, je peux que vous recommander cette laine aussi, la de The Woolly Skin. Sa base 100% mérino, c'est de la finger crossed. C'est rigolo, ça veut dire doigt croisé. Mais voilà, coloris Floride que j'ai beaucoup aimé. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait des couleurs d'hiver, hein, ces petits roses, ces petits trucs. Mais en fait, j'ai décidé que j'allais tricoter ce que j'avais envie de tricoter, les couleurs que j'avais envie de tricoter, quelle que soit la saison. Si j'ai envie de tricoter un top d'été en hiver, eh ben je le ferai. Tout simplement parce que je ne veux pas me sentir bridée. Et puis finalement, je me rends compte que tricoter quelque chose pour l'hiver en hiver, je me retrouve à le porter l'année suivante. Alors je me dis que soit j'anticipe d'une saison, soit tout simplement je me libère et puis je fais ce que je veux. C'est fais ce qu'il te plaît, quand il te plaît, et je crois que ce sera le mot d'ordre de mon tricot. Voilà, me faire plaisir avec ce que j'ai envie, avec les couleurs que j'ai envie, au moment où j'ai envie. Bon. Sur ce, j'en ai terminé avec les projets terminés de cette semaine, les ouvrages terminés de cette semaine. Je vous emmène dans mes encours avec, je ne sais pas encore lequel je commence. A tout de suite. Alors, le prochain projet dont je vous parle, c'est une étole. Une étole que je réalise dans le cadre d'un cal qui a été organisé par Julie Hainaut de la chaîne Loli Pelote. Julie, si jamais tu passes par là, merci d'avoir organisé ce cal. Donc pour ceux qui ne savent pas, un cal c'est un knit along. Knit ça veut dire tricoter, donc c'est un tricoton ensemble, un même projet. Donc c'est un cal qui est organisé sur Instagram. Si jamais vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Il a commencé le 1er janvier, il se termine le 31 mars. Janvier, février, mars, oui, il y a 31 jours, 31 mars de cette année. On est toutes à des niveaux différents de tricot. Il y en a d'ailleurs qui ont déjà terminé. Des Speedy Gonzalez du tricot. Il y en a qui, comme moi, sont en cours et il y en a qui débutent seulement maintenant ou qui sont encore toujours dans la recherche de laine. Donc, moi, j'ai décidé de réaliser ce projet avec mes restes. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné le nom du patron. Donc le patron, il s'appelle Pythagore. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est le Pythagore numéro 1, puisqu'elle a récemment sorti un Pythagore 2.0 qui a la forme d'un châle triangulaire et qui se tricote en épaisseur DK. Donc DK, double knit. Donc double knit, c'est double épaisseur de fingering, puisque je ne sais pas d'ailleurs si vous le saviez ou pas. Donc DK, double knit. Donc là en l'occurrence moi je réalise la première version de cette étole Pythagore qui est une longue étole, donc comme une grande écharpe qui fait environ 30 cm de large par, si mes souvenirs sont bons, 1,80 m de long. En tout cas je verrai, je vous le mesurerai à la fin, et je le réalise avec mes restes. Donc l'objectif c'était vraiment d'utiliser tous mes restes, mes petits restes, puisque c'est un projet qui est sympathique puisqu'il vous permet d'utiliser différentes quantités de laine. Vous avez dans la construction des triangles et des carrés qui forment un grand rectangle avec une pointe au bout. Vous avez des grands carrés sur lesquels il y a une nécessité de 30 grammes de laine. Moi je n'ai utilisé que 22 grammes pour chacun des grands carrés. Il y a des grands triangles qui normalement appellent 15 grammes de laine Donc là, typiquement, pour utiliser vos restes, c'est parfait. Moi, je n'ai utilisé que 12 grammes, entre 10 et 12 grammes de laine pour chacun des triangles, en fonction des laines, hein, bien sûr, et de votre façon de tricoter, attention. Hein. Il y a des petits carrés qui, normalement, appellent 10 grammes de laine. Là, moi, je n'ai utilisé qu'entre 5 et 6 grammes, et des petits triangles qui, normalement, devaient utiliser 5 grammes, et moi, j'ai utilisé entre 3 et 4 grammes sur chacun d'entre eux. Donc là, vraiment, ça m'a permis d'écluser énormément de mes restes. Donc, je vous montre mon petit panier à restes qui commence à se réduire. Donc, mon Pythagore, moi, je l'ai imaginé autour de cette laine que vous avez ici et de ce petit reste qui est un mini du calendrier d'Arco-Iris Yarn de cette année qui s'appelle Souvenir de Marnie, et le personnage, je crois que c'était Marnie ou Anna. C'était Marnie. Oui, c'est ça, c'était Marnie. Marnie. Donc dans sa base d'Obi. Celui-ci, c'était le deuxième écheveau, donc c'était voilà mes deux inspirations pour mon Pythagore. Ce deuxième écheveau, c'est un écheveau de La bien-aimée sur lequel il me restait 90 grammes de laine, et donc que je réutilise à différents endroits du châle, et c'est un petit peu l'inspiration en termes de couleurs. Vous y retrouvez du vert, du violet, du rose, et des petites touches de gris. Alors je n'ai pas intégré le gris dans le châle parce que je le voulais vraiment doux. Par contre, je suis allée piocher dans du vert pastel ou un peu plus marqué pour faire un petit peu de contraste, des violets pastel ou un peu plus marqué, pareil pour faire du contraste, du rose et plutôt poudré, et du crème pour équilibrer l'ensemble. Donc là, ça commence à s'amenuiser. Il me reste vraiment des tout petits microscopiques restes de certains coloris. Est-ce que ça va? Voilà. Là où d'autres sont encore un peu plus marqués. Donc, à part ces deux-là, je me retrouve à avoir des restes de mon chalographie d'il y a 2 ans, qui apparaît bleu mais qui est vert. Ça, c'est un reste de mes Poésia Socks, c'est de la laine de mout. Il me reste ici des restes de calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch de cette année. Ça, c'est un reste de Loose Ends, qui est une étole que j'ai tricotée l'année dernière. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose. C'est de la laine de chez Elong avec Anna. Voilà, et je suis allée parce qu'il me manquait un tout petit peu de rose. Ma mercière locale m'a mis de côté une jolie petite couleur de chez Drops qui, souvenez-vous, lorsque j'ai préparé, j'avais été chercher un brush d'alpaga, et donc c'est le même coloris mais en version nord de chez Drops que je vais utiliser prochainement. Il n'est pas encore entamé. Donc voilà pour mes couleurs de Pythagore. Ah, j'ai oublié de vous dire, celle-ci c'est la couleur Khaleesi. Khaleesi de sa collection Game of Thrones. Game of Thrones. C'est l'année de Game of Thrones. Alors je vous montre mon étole. Et je vous montre où j'en suis puisque je suis assez contente, j'ai pas mal avancé. Donc c'est une étole qui se démarre. Donc, vous voyez, alors d'abord je vous la montre en entier. Parce que j'arrive à me reculer pour vous la montrer en entier. Voilà où j'en suis. Cette étole avec différentes couleurs, et donc vous voyez avec tous ces fils à rentrer partout. Je vous en parle avant de vous parler un peu plus de sa construction. C'est une étole qui se construit avec 26 morceaux. 26 morceaux avec un fil de début, un fil de fin. Ce qui veut dire 52 fils à rentrer sur ce projet. Donc si jamais vous réalisez cette étole, je vous encourage à rentrer vos fils au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'ai fait, soit en le tricotant directement, mais je me suis rendu compte que je voulais que mon étole soit belle sur le devant ainsi que sur l'arrière, et donc je rentre mes fils sur la couleur du fil en question. Donc si je les tricote en même temps que ma partie suivante, je me retrouve à voir le fil, et donc ça c'est quelque chose que je voulais pas, et donc je le tricote, je les rentre à l'aiguille, chose que j'adore faire. Donc cette étale, elle démarre avec un triangle, puis vous venez relever des mailles avec une manière extrêmement simple, avec une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui vous explique exactement comment faire. Vous venez rajouter différents triangles, ce sont des triangles rectangles, donc lorsque vous réalisez un triangle, les diminutions sont toujours situées sur l'un ou sur l'autre côté, généralement le côté qui est à l'opposé de la partie qui est rectangle, enfin la partie où il y a l'angle droit. Lorsque vous réalisez des carrés, vous venez relever les mailles à différents endroits et les diminutions sont placées sur le centre du carré. Donc c'est quelque chose qui est assez ludique, c'est du point mousse, entièrement en point mousse, ce qui fait une écharpe, voilà, une écharpe étole, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait sur une écharpe, mais on n'est pas non plus sur un châle. Donc j'ai hâte de voir le rendu. Donc au fur et à mesure, vous jouez avec les couleurs en disant ok, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui sera harmonieux ou pas. Et donc n'hésitez pas à rentrer des couleurs qui sont parfois un petit peu improbables, parce qu'après finalement dans la globalité ça s'équilibre, mais il faut, voilà, c'est le genre de châle où prenez du recul, posez-le par terre, reculez-vous et puis mettez vos petites pelotes des couleurs suivantes que vous voulez faire pour pouvoir voir laquelle s'associe pas. Moi, la seule chose où j'ai fait hyper attention, c'est de ne pas avoir l'un à côté de l'autre des couleurs chamarrées comme là par exemple. Elles sont l'une en face de l'autre, mais je n'aurais pas mis celle-ci avec celle-ci qui se touchait au bord. Mais ça, c'est mes goûts à moi. Donc j'ai vu différentes versions. J'ai vu des versions où voilà, la personne piochait vraiment au hasard les couleurs, donc ça donne quelque chose de très très chamarré qui marche aussi. J'ai vu des versions avec une personne qui démarre, donc c'est Dominique qui a fait ça, Dominique Victoine, que vous êtes nombreux à connaître hein, sur Instagram, Dominique Victoine, qui a démarré avec des tons de bleu, qui a fait un fade des couleurs avant d'arriver tout à la fin. Alors au milieu je crois qu'elle est allée dans les marrons et tout à la fin elle est tombée dans des roses, donc c'est vraiment chouette aussi comme ça de faire un fade. Il y en a certaines qui sont restées vraiment tout dans les mêmes tons et qui utilisent tous ces restes, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir le hashtag du cal, je me souviens plus comment il s'appelle, cal Pythagore je crois qu'il s'appelle, mais voilà, je vous mettrai le hashtag là, je m'en souviens pas maintenant de tête, Julie, je suis désolée, je m'en souviens pas, mais je l'écrirai. Et donc voilà, donc soit vous avez des grands carrés sur la partie du centre, mais parfois vous avez aussi des petits carrés qui permettent vraiment, là pour le coup on est sur du rapidos, qui donne vraiment du rythme à ce tricot qui peut paraître laborieux au départ parce qu'on est vraiment que sur du point mousse. Mais chaque section est assez rapide à faire. Moi il m'a fallu 1h45 pour faire un grand triangle. Tranquille. Donc forcément les grands carrés par contre c'est le double, donc il faut à peu près 3h30 par grand carré. Par contre quand vous êtes sur des petites sections, là moi j'ai commencé les petits triangles et les petits carrés, et ben c'est du rapide, là il faut 45 minutes, là il faut 20 minutes. Bon, j'en profite pour vous montrer ma petite mésaventure d'hier, parce que vous voyez ce carré là, alors c'est plus marqué à l'écran qu'en vrai, mais je suis tombée sur un reste où je pensais avoir suffisamment de reste, et puis ben, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Donc je suis allée chercher, je me suis dit je ne les fais pas, je suis allée chercher un coloris approchant et je me suis dit ben, le mien, mon étole Pythagore, elle aura un carré dans le carré. Donc une petite particularité. Donc n'hésitez pas si vous avez des restes qui sont similaires et que vous tombez en rade sur une des parties, à rajouter encore. Donc je pense pas que ça choquera. Je l'espère pas. On verra bien. Et donc quand je vous parlais des fils hein, à rentrer, hein, voilà. Il y en a partout. Par contre, je les rentre, moi, une fois que j'ai fait la section suivante, pour vraiment avoir une bonne finition, vous voyez. Parce que sinon, alors là, vous voyez, c'est pas encore bloqué, mais le fait de rentrer les fils, donc ça c'est l'arrière, vous voyez, il y a un petit rang. Par contre, il n'y a pas d'épaisseur. Donc sur le relevage des mailles, on n'est pas sur des surépaisseurs, donc ça reste harmonieux quand même. Par contre, l'avant est quand même plus sympa que l'arrière. Mais bon. Donc voilà pour cette écharpe Pythagore que je prends beaucoup de plaisir à réaliser. Mon objectif sera de pouvoir la terminer d'ici fin du mois. Bon. Moi, je la tricote avec 2 paires d'aiguilles. Donc ma première paire d'aiguilles, et ça je pense que c'est important que vous le sachiez, ma première paire d'aiguilles c'est celle avec laquelle je tricote. Donc ce sont des aiguilles de 3,5 que je tricote, non pardon, 3,75 il me semble, 4, je vous raconte des bêtises. Ce sont des aiguilles de 4. Avec un câble assez court parce que finalement j'ai pas besoin de beaucoup plus, on n'est jamais sur des grandes sections. Sur les grands carrés il me semble qu'il y a une centaine de mailles sur vos aiguilles au maximum, donc vraiment on n'a pas, vous n'avez pas besoin d'un grand câble pour réaliser ça. Par contre, pour réaliser le relevage de mailles, parce que j'ai d'abord réalisé ce relevage de mailles avec ces aiguilles de 4 et là ça me créait des mailles distendues et donc des trous et quelque chose de pas très harmonieux, donc du coup j'utilise pour relever mes mailles des aiguilles de 2,75 qui ne me servent qu'à relever les mailles, et ensuite je viens, une fois que j'ai relevé mes mailles, donc j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille de 2,75 et je viens directement tricoter avec mon aiguille de 4. Donc depuis que je fais ça, donc j'utilise des aiguilles vraiment beaucoup plus petites, hein, 2,75 pour du tricot en 4, je n'ai plus de mailles distendues au niveau de la jonction. Donc, vous voyez, comment je peux vous montrer ça, voilà. Okay, je vous montre ça ici, je n'ai pas de maille distendue, donc le système de relevage, le maille fait un espèce de petit twist ici. Donc le mien est plus marqué parce que non seulement je fais un relevage de maille avec une aiguille de 2,75, mais j'ai aussi décidé pour le premier rang de faire, de le tricoter en maille torse pour vraiment bien serrer et puis donner ce petit twist ici. Au niveau du relevage de mailles. Mais ça, c'est mon petit truc à moi, ma petite particularité de mon échelle Pythagore, de mon étole Pythagore. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, d'ailleurs je crois que je suis la seule à le faire. Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont rajouté un I-cord sur le bord du châle. Moi c'est certainement quelque chose que je ferai. Je ne sais pas encore si je fais une finition en I-cord ou si je fais une finition au crochet, parce que je trouve quand même que la finition sur le bord est un petit peu abrupte, un petit peu pas finie je trouve. Donc et puis ça me permettra aussi de lisser, voyez, les petites jonctions ici qui sont pas tout à fait suffisamment qualitatives pour moi. C'est peut-être juste le petit bémol que je mets sur cette écharpe Pythagore. Les finitions auraient mérité un petit peu plus de travail. Voilà, ça aurait été sympathique de la part de Marie-Christine de nous proposer une autre type de finition, mais après c'est son choix. J'aime beaucoup Marie-Christine Lévesque, elle a beaucoup de délicatesse dans ses patrons, donc je me garderai bien de critiquer quoi que ce soit sur elle, je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai assez papoté sur cette étole Pythagore, je vous invite à la faire, franchement c'est un excellent moyen d'utiliser vos restes. Voilà, et de vous faire plaisir sans vraiment vous prendre la tête, puisque finalement c'est du point mousse, du point mousse, du point mousse et du point mousse. Voilà pour ce projet là. Maintenant je vous parle de deux nouveaux projets qui sont montés sur mes aiguilles ou sur mon crochet très récemment. Alors le projet suivant dont je vous parle, c'est un projet au crochet. Un projet au crochet que je fais dans le cadre de mon challenge, ou je sais pas comment je pourrais l'appeler, de mon objectif de réaliser un projet crochet tous les mois jusqu'à fin d'année. Voilà, différents types de projets, mais celui-ci c'est un projet pour Noël. Jamais trop tôt de faire des projets pour Noël, pour moi c'est Noël toute l'année. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc je fais un bulbe de chez Lalylala, de sa collection de crochets. C'est un patron qui m'a été offert généreusement par Delphine, qui s'appelle Encore une maille sur les réseaux sociaux, dans le cadre des Vœux les Nœuds. Delphine, si tu passes par là, merci beaucoup, je prends un énorme plaisir à crocheter ce projet là. Alors ce projet, je le réalise dans des fils de coton de chez Scheepjes, celui dont on sait tous dire le nom. Donc c'est un fil de coton dans la qualité Catona. Donc j'ai 5 couleurs. La première c'est la couleur 244 qui est, hop là, 244 qui est une couleur pétrole. Le deuxième coloris, c'est le coloris 249, qui est un espèce de jaune que je n'ai pas encore intégré dans le projet, mais qui arrivera prochainement. Le troisième coloris, c'est le coloris 254, qui est un, elles appellent ça un beige, alors c'est un beige un peu foncé. Et alors, je vous donne les deux autres couleurs tout à l'heure, mais je voulais vous montrer, Catona fait des pelotes de 50 grammes ou de, je crois que c'est 25 grammes, ouais c'est ça, de 50 ou de 25 grammes. Donc en fonction des coloris que vous, des projets que vous voulez réaliser et de la quantité qu'il vous est nécessaire, vous pouvez choisir de prendre des petites pelotes. Moi je sais que ce genre de coloris, c'est pas le genre de coloris que j'utilise énormément à l'heure actuelle, ou en tout cas dans les projets que je vais réaliser, donc je n'ai pris que 25 grammes, donc ce qui me permet aussi de faire baisser un petit peu ma facture lorsque j'achète les coloris, parce que bah, il faut que je m'équipe en crochet. Je suis en train de créer ma gamme de couleurs parce que voilà, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais finalement ils, chacun utilise des couleurs différentes. Donc moi j'ai décidé de tester cette base Catona de chez Scheepjes, qui fait que j'aurais fait le tour de trois grands fournisseurs de coton. Je sais qu'il en existe d'autres. J'ai utilisé de la Rikurumi, que j'aime bien, qui est un peu plus sèche. J'ai utilisé de la Catania de chez Sharon Mayer, dont je vous ai parlé lors du dernier projet crochet, pardon. Et donc je voulais aussi utiliser, voilà, tester cette Scheepjes de chez Catonia, de cette Catona de chez Scheepjes, et qui est vraiment sympathique. Elle glisse bien sur le crochet, elle est bien brillante et elle se crochette. En tout cas, moi j'ai dû la crocheter avec un crochet numéro 3. Qui est de chez Tulip et Timo. Hop, il me voit, donc il ne fait pas le focus. Par contre, je le crochette en 2,2. Donc j'ai essayé de le crocheter en crochet de 2, mais je trouvais que le tissu était trop serré. 2,5 c'était trop large, donc je suis passée sur un crochet intermédiaire. Donc ce crochet là, il fait partie du kit dont je vous ai déjà parlé, que j'ai, je crois, pas ici. Non, je ne l'ai pas ici, je vous le montrerai quand l'objet sera terminé. Mais du coup, je suis contente d'avoir un kit complet de crochet, parce que ça me permet d'ajuster vraiment. Certainement que si je n'avais pas eu le kit, je serais partie sur du 2 ou du 2,5, tout en étant moins satisfaite du rendu de mon crochet. Je ne suis pas une experte, hein, je vous rappelle que je débute en crochet. Donc les deux dernières couleurs, ce sont des couleurs... donc vous avez un rouge qui est le coloris 115, et un ivoire qui est le coloris blanc ivoire, qui est coloris 105. Donc là on est sur les 5 couleurs de mon projet. Et alors, par lequel j'ai commencé? Parce que vous avez, donc c'est un patron de chez Lalylala, vous avez 3 bulbes, vous avez un elfe, vous avez un poinsettia. Ouais, une espèce de fleur de Noël, et vous avez une boule de Noël. Alors moi j'avais craqué sur le poinsettia, mais je me suis dit oulala, t'as pas encore forcément le niveau, et je me suis dit allez, on commence par l'elfe, parce que c'est celui que je trouvais le plus rigolo et c'était mon deuxième favori de la série. Par contre, je vais les réaliser tous les trois, parce que vraiment je vais les mettre dans une boîte et je vais les sortir en tant que décoration de Noël en fin d'année. Je crois que vous avez compris, cette année je vais faire pas mal de boîtes que je m'offrirai, ou que voilà, que je garderai bien précieusement. Donc je vous montre ce que ça donne, parce que je suis assez fière de mon crochet là pour le coup, je suis fière de moi. Voilà le début de mon petit elfe. Alors il est loin d'être terminé, hein. Donc comment ça se construit? Donc moi, vous commencez par réaliser un petit pied, puis un deuxième petit pied, puis vous venez rejoindre les deux ensemble. Ici, vous avez ensuite un rang de ce fameux coloris beige foncé, hein. Et donc, bah, ce qui était sympathique pour moi, c'était d'apprendre à changer de couleur au fur et à mesure dans le patron. Alors, j'ai encore des petites imperfections, parce que vous voyez que j'ai des décalages. Donc moi, je suis le patron tel qu'il est écrit, mais j'ai l'intention d'aller me former sur YouTube, en regardant des vidéos ou avec des conseils de crocheteuses, pour réduire ces fameux décalages que je trouve un petit peu élégants, mais qui pour un bulbe c'est pas très grave, hein, parce que j'ai pas l'intention de le mettre dos à nous, il sera certainement appuyé sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui tient pas debout tout seul. Donc les petits yeux de sécurité. Ici, il y a une manipulation spéciale pour rajouter plus tard la collerette du chapeau de l'elfe. Et donc là, je suis dans la création du bonnet de l'elfe qui est rayé et donc qui se réalise avec des diminutions. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très rigolo à faire. J'adore en fait, j'adore. Donc le patron permet de réaliser une petite boule sur le haut du chapeau, normalement dans cette couleur. Et c'est là que je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisé et je ne sais pas encore si je vais l'utiliser pour ce projet-là parce que j'ai l'intention de lui rajouter un grelot pour qu'il fasse un petit peu de bruit. Et puis parce que je trouve ça rigolo, puisque je trouve que les elfes, ils ont toujours un grelot. Pas forcément un pompon, mais un grelot. Donc je les ai commandés, je les ai pas reçus encore, ils arriveront demain. Bon, je vous le montrerai la prochaine fois du coup. Donc je prends beaucoup de plaisir à le crocheter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que je fais des progrès plutôt pas mal, parce que je trouve que mon crochet est assez régulier. Je vous le montre de près. Voilà, maintenant il faut que je m'améliore encore sur le rembourrage, sur les changements de fil, les changements de couleur. Mais je trouve que le patron est très bien écrit. Alors il est disponible en français, il est disponible dans plein de langues. Moi je le fais en français parce que là pour le coup, j'ai pas encore appris du tout le langage anglais. Alors c'est pas que j'ai pas appris du tout, je suis en cours d'apprentissage avec un autre projet qui est beaucoup plus lent du coup parce qu'il faut que j'apprenne le crochet, plus la langue, plus les abréviations françaises, plus les abréviations anglaises, et puis plus les abréviations américaines aussi, puisque bien sûr, c'est pas la même chose. Donc voilà, Lalylala, très bien écrit, beaucoup d'images, beaucoup de tutoriels aussi pour vous aider dans l'apprentissage de comment on fait, comment on change de couleur, comment on fait pour changer de fil et tout ça. Donc voilà, beaucoup de tutoriels qui sont inclus dans le patron, donc j'aime beaucoup. J'ai vu que les trois bulbes démarraient de la même façon. Donc je pense me faire la belle collection. Merci Delphine. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce petit elfe qu'il me tarde de voir terminer. Je suis lente au crochet, donc je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai. Peut-être, si ça me prend. Vous le verrez la semaine prochaine, ou sinon ce sera certainement la semaine d'après. C'est pas non plus un projet qui est hyper long à réaliser. Il me reste à finir le bonnet, la collerette au niveau du bas du bonnet, et c'est un bulbe qui a des petits bras. C'est peut-être la partie qui m'inquiète le plus, parce que qui dit bras, dit couture. Et ça, c'est encore un point sur lequel je dois beaucoup m'améliorer, parce que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec la couture du crochet, de façon à ce qu'elle soit bien réalisée. Donc voilà pour ce deuxième projet, deuxième ouvrage en cours de la semaine, qui m'émoustille, on va dire ça comme ça. On passe au suivant. À tout de suite. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. Alors, dernier ouvrage dont je voulais vous parler cette semaine, il s'agit d'un nouveau projet. Alors, un nouveau projet que je réalise avec un patron qui m'a été généreusement offert par Carole. Carole, merci beaucoup de ce cadeau. Je prends aussi beaucoup de plaisir à le tricoter. Il s'agit du Oslo Hat de Petite Knit que vous connaissez certainement. Là, pour le coup, Petite Knit, je crois qu'on ne la représente plus. C'est une grande designeuse avec énormément de patrons. Disponible, que vous êtes très nombreuses à tricoter. Donc le Oslo Hat, c'est un bonnet qui se tricote avec deux fils de fingering ensemble. Le patron appelle alors soit deux fils de fingering ensemble, soit une épaisseur de déca. Moi j'ai choisi de le faire deux fingering ensemble, comme le précise le patron. C'est un patron qui est disponible en taille enfant, petit tour de tête pour les femmes et hommes. Et moi j'ai choisi de le réaliser dans la troisième taille femme, dans un coloris qui est assez neutre, comme ça, parce que je ne sais pas comment il taille. Donc si jamais il ne me va pas, je l'offrirai à mon mari ou à mon fils, qui ont des têtes un tout petit peu plus grosses que moi. Donc, pour ce projet, je suis allée piocher dans mes restes. Alors, il me restait de la laine en quantité un peu grande, hein, puisqu'il me fallait 150 grammes, un peu moins de 150 grammes. Donc je suis allée piocher dans les laines de La Bien-Aimée, dans une base de cache mérino. Et dont je vais vous parler un peu plus après. Le coloris, c'est Dire Wolf. Là encore, on est sur un coloris qui est issu de sa gamme de couleurs Game of Thrones. Quand je vous dis que j'aime Game of Thrones, ça se précise. Donc c'est un reste de laine qui est gris, gris nuancé, hein, qui est ici. C'est un 100% mérino. Hein. Non, je vous raconte des bêtises, c'est pas du tout un 100% mérino, c'est un 75% mérino, 15% de cachemire et 10% de nylon. Il y a du cachemire dans cette laine, c'est une laine que j'avais utilisée pour tricoter mon pull Uhuru de Lenny Oimela, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, que j'aime beaucoup, j'aime la coupe, j'aime tout ce que vous voulez, mais j'ai un petit souci, alors je le porte pas aussi souvent que je voudrais, tout simplement parce qu'il a tendance à boulocher, et malheureusement c'est le problème du cachemire. Bon, de manière générale quand même, les laines de La Bien-Aimée, moi j'ai pas eu des super expériences, j'ai eu beaucoup, enfin les deux fois où j'en ai tricoté, j'ai eu des laines qui boulochaient. Donc celle-ci fait pas exception à la règle, bon c'était prévisible, c'est du cachemire, et donc je me suis dit qu'il valait mieux le réintégrer dans un projet d'accessoires, et donc forcément de bonnet, pour éviter que l'aspect bouloche reviennent avec les frottements au niveau d'un pull, voilà. Donc c'était soit un châle, soit un bonnet. Donc il me restait beaucoup, parce que cet écheveau, il était très généreux. Enfin, c'est 4 écheveaux, j'avais acheté 4 écheveaux, puisque moi je fais une taille L. Bien souvent, je suis à cheval entre 3 et 4 écheveaux. Donc j'achète 4 écheveaux par sécurité, et du coup, forcément, parfois, il me reste des grosses quantités. C'est le cas de la base Equinox, par exemple, où il me reste 98 grammes de mon écheveau. Voilà. J'entame systématiquement le 4e écheveau, ou quasiment toujours, ou parfois pas, mais le 4e écheveau, il me reste 90% de mon écheveau, voire plus. Donc là, ça n'a pas fait exception à la règle. Par contre, il m'en restait vraiment beaucoup, parce que cet écheveau, non seulement il était généreux, il y avait un peu plus de 100 grammes, il y avait plus que 100 grammes dessus, mais c'est une 433 mètres pour 100 grammes. Donc il me restait 60 grammes d'un écheveau et 80 grammes de l'autre. Ça tombait bien, ils étaient déjà en cake, j'avais pas besoin de séparer mes écheveaux en deux. Donc je les ai tricotés en double, et donc je vous montre ce que ça donne. Vous verrez pas un bonnet pour l'instant, vous verrez juste un tube informe. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas encore énormément avancée, j'ai tricoté du jersey en rond. C'est passionnant, hein. Jersey en rond, alors je suis contente parce que même en tenant les deux fils ensemble, on voit quand même que la laine est nuancée. C'était un petit peu ma crainte en ayant le fil en double, que finalement les nuances s'atténuent, ou en tout cas s'annulent. Que voilà, le côté foncé d'une laine et le plus clair de l'autre annule. Et ben non, vous le voyez super bien à la caméra d'ailleurs, on voit bien encore, hein, voilà, toutes les nuances qu'il y a dans la laine ici et là. Donc ça, je suis contente. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Petite Knit, elle nous dit de monter vos mailles, un certain nombre de mailles en fonction de votre circonférence de tête, et de démarrer en tricotant en endroit. Donc vous joignez en rond, vous tricotez un long tube. Moi je me suis dit, je lis le patron, puisqu'il y avait un rabat, je voulais savoir comment ce bonnet avec rabat était fait, pour savoir comment j'allais faire ce caston. Parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est rabattre, faire un rabat comme ceci, et donc comme ceci, et vous savez, ils vous disent de coudre en même temps que vous tricotez, et ça j'aime pas faire. J'aime pas relever la maille sur mon caston de départ, tout simplement parce que même si je fais un German Twisted Caston, qui est un montage assez élastique, il ne sera jamais aussi élastique que mon tricot de jersey. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait une petite démarcation à l'intérieur, et c'est quelque chose que je voulais pas. Donc je fais un montage différent. J'ai décidé de faire un montage provisoire avec un fil Donc j'ai utilisé pour ça le tutoriel de Claude Tricot qui est très bien fait. Si j'y pense, je vous le mets dans la barre de description aussi. Et puis je suis partie en Jersey, ce qui fait que lorsque, donc pour l'instant j'ai fait 13 cm, il faut encore que je tricote un bon peu avant de pouvoir tricoter ensemble le début et le rang actuel. Mais lorsque ce sera le moment, je vais enlever ce fil et passer toutes ces mailles de montage sur une autre aiguille, ce qui me permettra d'avoir, est-ce que j'ai une aiguille ici, d'avoir mon rang plus mon aiguille actuelle et de tricoter les deux ensemble. Si jamais j'y pense, je vous le filmerai. Comme ça, vous le verrez. Donc, ce qui me permettra d'avoir aucune démarcation et un tricot qui restera bien élastique au niveau du tour de tête. Donc voilà, un projet qui n'est pas forcément énormément passionnant à vous expliquer maintenant. C'est du tricot jersey en rond. C'est un tricot qu'il me fallait aujourd'hui pour voilà, tricoter devant la télé, tricoter dans le noir, tricoter quand je me promène ou quand j'attends dans la voiture, hein, puisque j'ai pas mal de petits rendez-vous qui n'était pas prévu suite à une petite blessure de mon fils, et donc je passe pas mal de temps en salle d'attente. Donc il me faut un projet qui soit petit, donc soit c'est une chaussette, soit c'est le bonnet, puisque ça passe très bien dans mon sac à main ou dans un petit sac à projet que j'emmène par-ci par-là. Donc voilà, un petit bonnet pour moi. Je sais pas si le couleur gris sur ma tête ça ira, on essaiera, sinon on avisera, sinon ça fera un cadeau, on verra bien. En tout cas, j'aime bien le rendu. J'avais un peu peur aussi que le rendu de tricoter ensemble dans cette taille d'aiguille, je vous ai pas dit, c'est tricoté en 3,5. Donc tricoter en 3,5, 2 fils de fingering, ça fait un rendu assez dense. Alors pour un pull, je pense que je n'aurais pas aimé ça. Par contre, pour un bonnet, j'en suis ravie parce que ça va vraiment faire un bonnet assez chaud et avec de la tenue. Parce qu'un bonnet de fingering, en fingering, ça tient quand même, c'est assez mou. Sur la tête, là je pense qu'il vraiment il va se tenir. Donc j'ai hâte de vous montrer un peu plus. Je pense que c'est un projet qui va monter assez vite puisque c'est vraiment juste voilà, il n'y a rien de technique jusqu'à présent. Comme d'habitude, les patrons de Petite Knit, ils sont écrits de manière assez succincte. Si vous débutez en tricot, alors pourtant les projets sont simples en termes de technique, mais la façon dont c'est écrit, c'est assez succinct. Donc si jamais vous avez besoin qu'on vous prenne par la main et qu'on vous dise voilà, c'est tel type de montage, faites ceci comme cela, voilà des liens pour vous aider et tout ça et tout ça, c'est pas forcément vers Petite Knit que je me retournerai. Ces modèles sont très beaux, j'aime beaucoup, ils sont très sobres, très jolis, mais je trouve que ça mériterait un tout petit peu plus de prise de main, enfin du moins de détails. Surtout si vous débutez en tricot. Si vous débutez pas, c'est pas un problème, vous saurez vous débrouiller. Si vous débutez, c'est peut-être pas forcément avec les patrons de Petite Knit qu'il faut démarrer. Vous avez d'autres patrons qui sont beaucoup plus voilà, qui sont beaucoup plus précis et qui vous prennent par la main que Petite Knit. Voilà. Donc voilà, ils paraissent simples, ils le sont assez, en tout cas ceux que j'ai fait. Mais voilà. Les patrons sont vraiment très minimalistes. Voilà, minimaliste, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc voilà, pour ma revue de petits projets en cours, projets terminés, tout ça, ouvrages terminés de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous m'en voulez pas trop de ne pas vous montrer tout à chaque fois, mais vraiment, je veux pas voilà, vous faire de podcasts trop redondants. Du coup, j'espère que ça vous perd pas trop non plus. Je vous reparlerai la semaine prochaine de cette fameuse paire de chaussettes boomerang, puisque je l'ai quasiment terminée et je suis en train de vous écrire le patron. Vous m'avez tous et toutes répondu que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc je vous publierai le patron. Je suis juste en train de le grader dans différentes tailles. Il sera gratuit pour vous. Je vous mettrai un code de réduction qui, lui, ne sera pas limité dans le temps pour que vous l'ayez gratuitement toujours pour toujours. Il sera annoncé payant sur Ravelry, mais en utilisant le code, il sera gratuit pour vous. Voilà, c'est la façon dont je vous remercie à vous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre et à me mettre des petits pouces en l'air tellement gentiment, me laisser des petits messages que j'adore lire, même si je suis très en retard sur la lecture de tous vos commentaires que vous m'avez mis sur les vlogs de décembre et d'octobre. Je suis encore en train de les lire parce qu'en fait ça s'empile et donc je lis systématiquement les plus récents et donc il y en a certains qui sont assez vieux que je n'ai toujours pas lus. Mais voilà, c'est mon petit plaisir de venir lire vos gentils commentaires et quand je vois des questions, j'essaie d'y répondre. Si jamais je ne vous ai pas encore répondu, c'est simplement que je ne l'ai pas encore vu, mais ce sera fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment de tricot en ma compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, donc tous les dimanches à 14h avec les podcasts. Il n'y aura pas de vidéo supplémentaire vendredi, comme la semaine dernière, je ne peux pas vous en faire toutes les semaines quand même, mais vous en aurez voilà, dimanche prochain, et puis je vous prépare quelques petites surprises dans les jours et dans les semaines à venir. J'espère qu'elles vous plairont. Non, je suis sûre qu'elles vous plairont, parce que voilà, vous êtes quelques-unes à le savoir, et vous m'avez toutes dit oh oui, oh oui, oh oui. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine de tricot. J'espère que la musique du jour vous aura plu. Je prends toujours beaucoup de soin à sélectionner des musiques, soit que vous ne connaissez pas, soit pour des artistes que je veux mettre en avant. La musique du jour, c'est Alman qui vous la propose. Je vous mets à chaque fois, alors ça c'est quelque chose que je vous ai intégré dans le générique de début, une petite page avec le nom du titre et le nom de l'auteur de la chanson, si jamais vous voulez les retrouver, et à chaque fois il y a bien sûr un lien dans la barre de description qui vous permet de savoir où j'ai trouvé mes titres de musique pour associer à cette vidéo. Allez, fini de parler, je vous souhaite une très belle semaine créative, quels que soient les ouvrages que vous soyez en train de réaliser. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little